Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Demain, lundi, se tiendra à l'Elysée, à Paris, la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Irak. Objectif affiché, venir à bout des djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. La coalition se met en place. Alors, un chercheur nous expliquera comment a-t-on pu en arriver là. Vous entendrez également et vous découvrirez les œuvres et les points de vue de trois artistes, une poétesse, un architecte et un percussionniste qui nous promettent un monde meilleur. Quatre invités avec nous aujourd'hui dans MOE et pour la première fois, la chanteuse Sappho, ravie d'être avec nous. Sappho, merci d'être là. Vous êtes donc chanteuse et vous êtes l'auteur de ce livre Blanc qui paraît aux éditions Bruno Doucet. Imed Alibi, merci d'être avec nous également. Vous êtes musicien, auteur de l'album Safar qui signifie voyage en arabe. Alors pourquoi ne pas commencer tout à l'heure? On verra par un petit instant d'évasion, ça va être assez sympa. Galal Mahmoud, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte, fondateur de GMA Architects, auteur du projet Musée des civilisations conçu pour la place des martyrs à Beyrouth, la capitale du Liban. Et ce projet est présenté jusqu'au 23 novembre prochain à la Biennale de Venise. Hasni Abidi, bienvenue en provenance de Suisse. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM, à Genève. Donc en Suisse, alors Hasni Abidi, les insurgés islamistes de ce groupe qui se fait appeler l'État islamique ont décapité hier soir un nouvel otage. Il s'agit d'un travailleur humanitaire britannique, David Ames. Il travaillait pour une ONG française ACTUD. Londres a identifié la vidéo ce matin. J'ai envie de vous dire, 11 ans après la chute de Saddam Hussein et l'intervention militaire américaine, l'histoire se répète inexorablement. On se dirige vers une autre guerre. Oui, on se dirige dans une autre guerre. Je pense que cette fois-ci, elle sera encore peut-être plus destructrice pour la région, avec des conséquences terribles pour la population locale. On a bien vu le résultat, mais aussi un engagement de jamais vu. C'est inédit, une coalition pour un État islamique qui n'existait pas, en tout cas qui n'avait pas cette valeur militaire et politique il y a quelques mois. Aujourd'hui, on le décrit comme une menace globale. C'est très, très inquiétant. L'assassinat de ce travail humanitaire est un crime odieux. Il ne s'inscrit pas ni dans une logique identitaire, ni religieuse, ni politique. Il y a ce groupe qui s'appelle l'État islamique, n'a aucun projet pour la société. Il ne s'agit seulement d'une provocation gratuite et je pense qu'ils ont réussi. Il y a bien entendu une conjecture locale, en rappelant qu'il y a aussi des anciens officiers de Saddam Hussein qui sont avec ce groupe. Il y a des insurgés sunnites qui se disent ostracisés par le régime en place, l'ex-premier ministre Nouri al-Maliki. Alors, on a le sentiment que l'ONU est totalement absente, c'est l'OTAN qui mène le jeu. Oui, ça c'est malheureusement les Nations Unies toujours le maillon faible de ce genre d'opération. D'abord, il faut se féliciter de l'effort français. La France est toujours soucieuse d'un accompagnement politique parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une réponse militaire à une menace, c'est vrai, vous l'avez dit, qui s'est nourrie par un environnement hostile. Hostile bien sûr à l'interventionnisme iranien, très important en Irak, mais aussi à l'exclusion d'une bonne partie de la population irakienne, mais aussi à une situation quand même catastrophique depuis la guerre en Irak, depuis 2003. Évidemment, le démembrement de cet État, l'implosion de ce grand État qui est l'Irak, et l'État islamique, ou ce qu'on appelle les nouveaux djihadistes, bien sûr, sont nourris par les militants, soit du parti Baas, d'autres mouvements d'ailleurs islamistes, ont rejoint ce groupe-là. Donc la réponse, elle est globale, mais elle n'est pas suffisante. Ouais. C'est-à-dire que les Nations Unies doivent absolument se positionner. Il ne s'agit pas d'une nouvelle croisade. Et d'ailleurs, beaucoup de réserves dans le monde arabe et dans le monde musulman. Et curieusement, il y a une certaine sympathie qui s'engage dans les pays musulmans à l'égard de ce groupe parce qu'ils disent finalement c'est ce groupe État islamique va se nous débarrasser de toutes ces dictatures ou de tout ce mouvement d'exclusion, pourquoi pas. Alors précisons qu'il y a une quarantaine de pays, notamment des pays arabes derrière les États-Unis et que Londres par exemple et même l'Allemagne refusent en tous les cas une intervention au sol pour l'instant, d'ailleurs tout comme les États-Unis, des nouvelles frappes sont envisagées. Galal Mahmoud, la décapitation d'un soldat libanais, c'était il y a 10 jours, c'était le deuxième à être décapité par ces insurgés. Ça n'a pas provoqué la même indignation, en tout cas pas au-delà du Liban. Quel regard vous portez sur ces événements? Parce qu'au Liban, ça a été perçu avec beaucoup d'émotion. Et la population, je peux dire que toute la population libanaise était choquée et outrée par ce qui s'est passé. Et effectivement, ça m'étonne parce que moi, j'ai parcouru les journaux du monde entier. J'ai pas lu un seul article là-dessus, alors que ce sont des soldats de l'armée libanaise ou des officiers de l'armée libanaise qui étaient là pour défendre leur territoire. Et je trouve ça très bizarre que le reste du monde ne s'intéresse pas à cet événement qui est quand même un événement majeur pour nous, Libanais.
L'armée libanaise fait ce qu'elle peut. On attend des aides qu'on nous promet depuis des années. Bon, apparemment, elles arrivent, mais au compte-gouttes. Il se dit qu'il y a déjà des membres de ce groupe qui se fait appeler l'État islamique au Liban. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on en parle au Liban? Oui, on en parle, ça fait partie de l'actualité quotidienne. Il y a une grande inquiétude de la part de la population libanaise, quelle qu'elle soit. Je peux dire que l'ensemble de la population libanaise, donc ce n'est pas que ce soit les chrétiens ou les sunnites ou les chiites, mais toute la population libanaise est très inquiète de ce mouvement qui commence à s'amasser le long de la frontière entre la Syrie et le Liban. Et en fait, il y a eu un fait marquant hier, c'est que les parents de la première victime qui était chiite ont été présenter leurs condoléances aux parents de la deuxième victime qui était sunnite. Donc, pour montrer qu'il y a quand même... Au-delà des appartenances confessionnelles. Au-delà des appartenances. Bon, c'est vrai que c'est une région, la région de la Bekaa, c'est une région quand même qui est assez divisée, mais en même temps qui est très mélangée. Quoi. Les villages sont les uns à côté des autres. Donc, vous êtes architecte, je le rappelle. On va parler tout à l'heure de votre projet de musée. Peut-être un mot sur la manière dont vous avez vécu cette avancée fulgurante de ces djihadistes. Vous connaissez par exemple la région d'Erbil, et vous, à titre personnel, ça vous a surpris? Ça m'a surpris parce que moi, j'ai du travail, on fait pas mal de projets sur la région, sur la ville d'Erbil, parce que c'est une ville qui est en pleine expansion, ou qui l'était en pleine expansion jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps. C'est au Kurdistan irakien. C'est au Kurdistan irakien. On travaille également sur Sulaimani, qui est également au Kurdistan, des grands projets. Il y a énormément d'investisseurs, jusqu'à il y a 6 mois, qui investissaient massivement dans cette région de l'Irak. Et du jour au lendemain, on lit dans les journaux que ce mouvement est à 30 km de Erbil. 30 km, c'est rien du tout. Prêt à envahir la ville et l'armée irakienne qui est présente au Kurdistan, qui est des Peshmerga, ne sont sous-équipés. Ce n'est pas une armée qui est faite pour affronter un ennemi de cette taille. Quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et heureusement qu'il y a eu à un moment donné, après un réveil tardif de l'Occident, on a réussi à stopper cette avancée. Alors sur cette coalition qui se prépare, je précise, je disais l'Allemagne et la Grande-Bretagne refusent en fait de bombarder la Syrie. Il faut bien préciser les choses, alors que les États-Unis l'envisagent, ce qui n'est pas le cas donc de plusieurs autres pays, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Imad Alibi, dès les premières difficultés en Tunisie, après le départ de Ben Ali, certains éditorialistes ont parlé, notamment en France, d'un hiver islamiste. Alors certes, il y a des difficultés, notamment sur le Mont Chambi, où des soldats tunisiens ont perdu la vie face à des groupes armés islamistes. Mais les faits semblent donner tort à ces éditorialistes. La Tunisie semble à des années-lumière de ce qu'on voit en Irak ou en Syrie. En tout cas, l'exemple tunisien est complètement différent des autres pays arabes, vu la sociologie du pays, l'économie, le contexte géographique. L'évolution de la liberté de la femme, la liberté d'expression après la révolution, a montré que la population tunisienne a été capable, en tout cas, de discuter de la constitution, d'évoluer. On a vu une montée d'associations alternatives dans tout ce qui est société civile. On a vu aussi la montée en puissance d'artistes, de concerts, d'associations. Et ces faits divers, que j'appellerais faits divers, en tout cas, sur la frontière et parfois au niveau des villes. Je pense qu'on ne sait pas, on ne sait toujours pas qui tire les ficelles de ces groupes ou de ces groupuscules. Parfois, on dit que c'est l'ancien de régime Ben Ali. Parfois, c'est peut-être il y a un terrain favorable. En tout cas, ce serait toujours à cause de ce régime lui-même. Parce avec que ce qui s'est passé aussi en Libye, hein, notamment, absolument, les armes qui circulent. Et le Mali, le problème au Mali, la Libye. Mais je pense que le problème essentiel vient aussi de ces dictatures parce qu'ils ont aussi laissé un terrain favorable, notamment la pauvreté, notamment beaucoup de... On manque de théâtre, de culture et tout ça, qui a favori... en tout cas une ambiance qui est un peu difficile. Mais en tout cas, d'une manière générale, je pense qu'en Tunisie, on avance petit à petit. Il y a des problèmes socio-économiques qui ne vont pas être réglés du jour au lendemain, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Sapho, quand on est artiste comme vous, comment fait-on face à un monde pareil? Vous venez d'écouter nos trois premiers interlocuteurs. Comment fait-on, comment faites-vous, où chaque camp croit détenir la vérité? Comment est-ce qu'on se... C'est très difficile d'être dans ce monde-là, surtout quand on a affaire à plusieurs barbaries au pluriel. Et moi, je pense qu'on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra. Je pense qu'il n'y a pas de camp à favoriser, ni les dictateurs, ni les barbares. Il faut trouver effectivement un chemin tiers. Et j'espère que
effectivement, là, comme vous dites, la Tunisie peut être un exemple, et tant mieux. Mais oui, il faut trouver un autre chemin. Et je pense que la parole, c'est une issue à la violence. Je pense que l'art est une issue à la violence. Une des issues à la violence. Alors, Sappho, artiste singulière et plurielle, on va le voir, vous êtes né au Maroc. Alors, voilà ce que nous dit une internaute fidèle de Maghreb Orient Express. J'adore Sappho, j'ai hâte de la revoir. C'est Mélida Doran en Algérie qui nous dit cela. Alors, vous êtes l'auteur de Blanc, hein, c'est le titre de votre livre. Blanc, contrairement à ce qu'on pense, c'est ni l'absence de couleur, ni l'opposé du noir. Qu'est-ce donc, Sappho? Il est difficile de parler. Non, pour moi, blanc, c'était le commencement. Mais blanc et polysémique, ça peut être le silence, ça peut être. Il y a toutes sortes de blancs. Ça peut être un temps blanc. Enfin. Et c'est de cette polysémie que j'avais envie de parler. C'est aussi la page blanche, c'est avant la création, avant de commencer, c'est avant Lascaux. Il y a toutes sortes de. L'origine. L'origine qui ne serait pas l'origine dont on. Voilà. C'est aussi une synthèse, non, des couleurs primaires, dit-on en tout cas des spectres, qui confirme aussi ce que vous êtes, peut-être femme à la fois arabe, à la fois juive, française. Vous chantez d'ailleurs en anglais, en français, en arabe, en hébreu également. En hébreu, c'est aussi cela. Moins, mais je chante, oui, dans toutes ces langues. Oui. Vous voyez, parce que effectivement, je suis quelqu'un qui vient. Je suis juive et marocaine et française. Et j'ai connu un monde où toutes ces communautés vivaient ensemble, mangeaient ensemble, dormaient ensemble. Et c'est vrai que toutes les fureurs d'aujourd'hui me semblent incroyablement folles. Et j'ai envie de toujours témoigner que cette possibilité existe et qu'il faut la soutenir. Alors c'est un seul et même poème, si l'on peut dire, traversé, comme vous l'avez dit, de silence, de non-dit également, des interrogations, un poème qui nous invite au voyage, au même titre que Safal dans son disque, que Hikmet Alibi, hein, dans Safal, qui s'appelle Le Voyage. On va sans plus attendre écouter un extrait de votre disque. Voilà, et au violon Ziyad, bien entendu, que Sappho a reconnu, puisqu'il vous accompagne également, Sappho. Alors, Hikmet Alibi, des rythmes berbères et soufis, le violon, donc, qui surfe, si l'on peut dire, sur cette vague orchestrale. Alors, vaste question, comment est-ce que vous définiriez votre musique? Alors, fallait en donner une définition. Oui, c'est généralement, on essaie toujours de classer les musiciens et la musique dans des cadres comme ça, musique du monde ou fusion. En tout cas, c'est parti d'une recherche rythmique sur les rythmes du Maghreb et du Moyen-Orient et leurs origines indiennes, iraniennes, turques, et même leur influence en Amérique latine. Ensuite, j'ai fait appel donc à Ziad Zouari au violon, qui accompagne Sappho aussi, Amel Matlouti et plusieurs d'autres artistes, et Stéphane Pouèche donc, pour travailler sur un projet qui réunit un peu musique électronique, percussion orientale, avec toutes ces influences donc, de la Méditerranée. Alors c'est un disque qui est déjà sorti en Grande-Bretagne, hein, où il a été produit, et qui sort ces prochains jours en France. Sappho, Le Voyage, c'est donc l'une des trames que vous partagez. Vous allez peut-être pouvoir maintenant nous lire un extrait que vous avez choisi, extrait donc de Blanc. Et je reviens au blanc, silence de la page. L'origine n'est pas l'origine, le blanc n'est jamais blanc. Je reviens au soir du monde, un soir et c'est le mien. Des annonces de surprises, des tourments de magma, pour préparer la pâte, le plâtre, la matière inanimée à ce moment.
un désir vague. Pas encore énoncé. S'il vous plaît, pas ce désir, il m'encombre. Je veux revenir à l'écart, à la matière sans nom. Il faut pourtant des noms pour déclarer qu'il n'y en a pas encore. Asni Abidi, une réaction? Moi, je trouve très, très beau la force du mot et de la parole. C'est ce qui nous manque. Et on a toujours dit qu'au Proche-Orient, les mots tuent, mais les mots peuvent aussi construire un autre univers et faire vivre et donner de l'espoir. Ouais. Et ça me rappelle justement ces paroles qu'on entend soit dans les églises ou dans les synagogues ou dans les mosquées. On a toujours eu affaire d'abord à des sages avant que ce soit plutôt des imams, ouais. Alors qu'aujourd'hui, les imams sont devenus presque des porteurs de paroles de la terreur. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'où l'importance de se démarquer un petit peu de cette logique guerrière. Les lieux de culte, l'architecture maintenant avec vous, Galal Mahmoud, un projet architectural qui nous rappelle, si l'on peut dire, l'ADN multiculturel du Liban, projet présenté jusqu'au 23 novembre prochain à la Biennale de Venise. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire, on va bien entendu voir des photos, des images, est-ce que vous pouvez nous décrire l'architecture de ce musée qui est en projet? En fait, quand on a été invité par la Biennale de Venise, on nous a demandé de réfléchir sur le futur de l'identité des villes. Parce que de par la globalisation qui se produit aujourd'hui, la globalisation des images fortes, des signatures, des choses qui font parler d'elles d'une manière superficielle, les villes, avec cette architecture importée, sont en train de perdre leur identité. Donc comment répondre à cette globalisation? Alors nous, notre réponse a été de dire, nous, en tant que Libanais et au Liban, on vit une globalisation depuis 5000 ans. On a 5000 ans d'histoire. Beyrouth est né, je crois, il y a 4500 ans. Et on a vécu un certain nombre de civilisations. Il y en a eu 9 et on appelle Beyrouth la ville des 9 couches. Il y a 9 strates successives dans le sous-sol de Beyrouth, sur lequel on marche tous les jours, qui sont présentes et qu'il faut mettre en avant. Alors moi, au lieu de construire un bâtiment hors sol, je me suis dit pourquoi ne pas créer un effet d'exploration. C'est-à-dire qu'on a créé une succession de plateformes, on appelle ça une promenade contemplative, où on va descendre sur des plateformes et chaque plateforme est à la hauteur d'une strate archéologique. J'avais visité le site de Petra et j'avais été très impressionné par ces strates géologiques qui ont des millions d'années. Et nous, on a ça au Liban. Donc pourquoi ne pas faire ça d'abord pour les Libanais? Parce que je pense que beaucoup de Libanais aujourd'hui ne connaissent pas ou très peu leur histoire, qui va au-delà du communautaire tel qu'on le vit aujourd'hui. Et de l'actualité. Et de l'actualité. Ouais. Et en fait, on a une culture et une histoire qui est phénoménale et on a un ADN libanais aujourd'hui qui est fantastique. Ouais. L'ADN, l'histoire, mais aussi, c'est assez futuriste. D'ailleurs, une stèle érigée dans l'esprit du grand monolithe noir qui rappelle celle de Stanley Kubrick dans son film Odyssée de l'espace. Oui, non, en fait, il y a plusieurs interprétations à cette stèle, donc je laisse des fois un peu les gens l'imaginer un peu. Bah, vous voyez, ça marche. Oui, exactement. Non, mais en fait, cette promenade, parce qu'on descend sur ces plateformes, donc chaque plateforme, c'est une civilisation. On arrive au fond du trou qui fait à peu près 20 mètres de profondeur et on a de l'eau. L'eau qui est la Méditerranée, qui est la raison de notre existence, nous, en tant que Libanais. Et au bout de cette promenade, on va remonter à la surface à travers cette stèle qu'on voit sur l'image, qui a un grand monolithe blanc. Et la représentation, en fait, c'est que la face avant que l'on voit, c'est une surface blanche, comme votre livre, qui est en fait le futur tel qu'on l'idéalise. On l'idéalise toujours parfait. Surtout nous, Libanais, on est des idéalistes. Parce que c'est ce qui fait qu'on va de l'avant, parce qu'on a subi des guerres et tout ça, mais on a une résilience qui fait qu'on souhaite toujours aller de l'avant. Donc, on a la page blanche du futur tel qu'on l'imagine, mais en fait, à l'arrière, lorsqu'on voit l'image par l'arrière, cette stèle se déconstruit parce qu'on est en permanence en construction et déconstruction. Et ce serait en principe place des martyrs dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez des informations? Où en est-on aujourd'hui? Votre projet avance? Je suis en train de faire mon petit chemin pour essayer d'y arriver. On est actuellement en dialogue avec des archéologues parce qu'il s'agit d'un projet archéologique également, parce qu'on va... On va un peu mettre en vie ces strates archéologiques. Donc, il y a toute une méthodologie à mettre en forme au niveau technique et archéologique. Donc là, je suis en train de constituer un comité d'archéologues qui vont m'aider à donner de la consistance et étoffer ce projet pour ensuite aller voir des organismes, des investisseurs. Oui. Mais j'ai l'appui d'énormément de personnes et je dois dire que la présence à la Biennale de Venise nous a beaucoup encouragés à aller de l'avant. Réaction, Imad Alibi, à ce projet? C'est assez fascinant. On en avait parlé juste avant l'émission. Et c'est un grand projet, je vous félicite. Ça rentre, moi, je trouve, dans le cadre de toute l'émission, dans tout ce qui est fusionnel, donc de la musique à l'architecture, à la poésie. Et je trouve qu'on a vécu, l'histoire a montré que toutes les communautés ont vécu ensemble dans une parfaite harmonie, sans exagération. Oui.
Et là, ce que je pense, c'est qu'il y a plus de facteurs internationaux, géopolitiques, qui sèment un peu, avec beaucoup de machines de guerre et de manipulation, de propagande, ces problèmes ethniques, interreligieux. C'est un sujet, la constitution tunisienne garantit la liberté de conscience. Ça a beaucoup fait parler dans le bon sens, en disant que c'était une exception dans le monde arabe, entre guillemets, et que c'était un bon exemple, y compris au-delà du monde arabe. En quoi est-ce important à vos yeux ? D'abord parce que, comme je viens de le signaler, on a toujours vécu entre Tunisiens, Juifs, Chrétiens. Bon, c'est des minorités. Mais je pense que l'exception tunisienne, avant, c'était une exception libanaise aussi de la constitution de 26. Il y avait la constitution égyptienne, syrienne. Tous les pays où il y a eu des communautés chrétiennes. Mais bon, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, après la révolution, ça montre aussi un degré de conscience de la population et un débat qui était assez long, assez fascinant. Sur l'identité. Sur la religion, sur la laïcité, le rôle du religieux dans l'État. Et je pense qu'on est sur le bon chemin là-dessus, mais il reste beaucoup, beaucoup de défaillances et beaucoup de... Ça faut. Oui, je me souviens de l'éblouissement que j'ai eu à voir Beyrouth la première fois. Parce que, comme c'était une ville qui est détruite et reconstruite, comme vous disiez, il y avait des bâtiments de toutes sortes, une espèce de disparité incroyable dans les styles, dans les époques, etc. Ouais. Et tout ça fonctionnait quand même merveilleusement. Il y avait une espèce de... Moi, j'appelle ça le chaos organisé. Une harmonie chaotique, effectivement. Et c'était très, très beau à voir. Et aussi, une chose qui m'a beaucoup frappée et qui montrait le degré de civilisation de ce pays, à la conférence de presse, un journaliste m'a dit, première question du journaliste, Safo, vous rôdez souvent autour de la blessure. Je me suis dit, jamais aucun journaliste français ne me posera une question aussi élaborée, aussi fine. Et voilà, c'était ça. Asni Abidi, oui, une réaction ? Non, mais je voulais juste, sans avoir l'esprit de nostalgie de l'Andalousie, parce que là, les choses ont changé dans l'Andalous. Exactement, cette harmonie parfaite. C'est vrai que c'est une question de constitution. La constitution n'a jamais été l'œuvre d'une majorité. C'est plutôt l'œuvre ou le reflet d'un consensus. Ouais. Les Tunisiens ont réussi parce qu'ils ont su négocier. Négocier une transition et une constitution qui reflète tout le monde, pas seulement celle de la majorité islamiste. Il n'y a pas une intervention militaire étrangère. Bien sûr, il n'y a pas d'intervention. Chacun analysera cela à sa manière. Mais... Absolument, il n'y avait pas une armée aussi qui voulait absolument garder le pouvoir. Mais l'histoire des strates, ça me ramène à autre chose. Les identités. L'identité n'a jamais été statique. Elle est dynamique. Pourquoi on veut toujours la confiner dans un seul cadre ? Les identités sont multiples. Et bien sûr, elles ne sont pas meurtrières. Elles ne sont pas si meurtrières que ça. Évidemment, il faut avoir cette constitution, il faut avoir un pluralisme. Ce qui garantit justement les chrétiens d'Orient, ce n'est pas une force américaine, ce n'est pas des frappes, c'est plutôt un régime. Ce n'est pas les invités non plus, comme le suggère le président Hollande, qui veut leur faciliter de venir. D'ailleurs, des responsables religieux chrétiens mettent en garde en disant que vous allez favoriser un exode des chrétiens. Au-delà des histoires personnelles, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont persécutées, mais c'est vrai que cette histoire d'exil, elle fait peur, elle est inquiétante, parce qu'on va vider cette région-là d'une substance importante. Moi, je le répète, les chrétiens d'Orient sont originaires, c'est leur terre, les musulmans sont venus après. C'est vider cette zone-là, c'est vider le monde arabe de sa véritable substance. Mais est-ce que ces minorités-là ne sont pas prises aussi en otage ? Galal Mahmoud, Imad Alibi vient de dire tout à l'heure, il y a l'actualité internationale, la géopolitique qui effectivement est là pour semer la zizanie, diviser. C'est pas la première fois qu'on voit des interventions armées pour protéger des minorités. Ça, c'est l'objectif affiché. Est-ce que parfois, les grandes puissances, on le voit d'ailleurs là avec l'émotion suscitée par ces djihadistes, est-ce que c'est pas un peu facile aussi de s'émouvoir, mais de ne pas faire aussi d'autocritique ? Les pays de la région, à commencer par les États-Unis, l'Iran, les monarchies du Golfe, qui ont financé ces groupes, ont aussi des analyses à faire sur eux-mêmes, non ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vois l'exemple, parce que comme je suis Libanais, je vois l'exemple à partir du Liban. On a vécu une guerre atroce qui a duré plus de 15 ans. Et finalement, comme on dit, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. C'est la guerre. C'est la destruction. C'est vraiment ma génération. Donc je vois plein de gens de ma génération. Il y en a qui ont pu partir, mais quand même, ça a été un déracinement. Il y en a d'autres qui sont restés, qui ont perdu des proches, etc. Et que finalement... Les chrétiens sont toujours au Liban parce qu'ils ont su défendre et ils ont su faire en sorte d'être toujours présents. Les sunnites, les chiites, tout le monde est toujours là. Donc,
apprendre à vivre ensemble, c'est une évidence, il n'y a pas d'autre choix. – D'ailleurs, souvent, on demande aux Libanais, mais vous êtes de quelle confession, ce qui les agace, vous en êtes l'exemple parfait, vous avez un grand-père anglais, vous avez une mère catholique. – Moi, je suis tellement mélangé qu'à la fin, je ne sais plus ce que je suis, mais c'est vrai, j'ai une mère chrétienne, j'ai un père musulman, j'ai une grand-mère anglaise, donc ce mélange, et c'est ça, le jour où on va me demander de choisir, je pourrais pas rester, moi. Et beaucoup de gens au Liban parlent de partition, chose sur laquelle moi je suis personnellement totalement contre, parce que le jour, c'est un tout petit pays, si encore il faut le sectionner, mais où on va. Merci beaucoup. Ymed, peut-être un dernier mot rapidement, allez-y. Je voudrais juste revenir sur les interventions étrangères, en tout cas militaires. L'histoire, depuis 20 ans, elle a montré que ça a complètement échoué et que le changement vient de l'intérieur. Donc moi je suis complètement contre. Ça, ouais. Mais comment faire avec, comment faire, faut laisser faire avec le terrorisme? Il faut laisser faire. Le terrorisme a été créé. Il faut laisser faire les gens s'organiser entre eux. C'est une vraie question. J'ai le sentiment que le débat va se poursuivre. Vient de l'intérieur. C'est une vraie question. Merci à tous les quatre. On va continuer à en parler. Ça faut. Voilà, Blanc, donc un poème à lire absolument. Merci à vous, Galal Mahmoud. On rappelle que votre projet est à la Biennale de Venise jusqu'au 23 novembre prochain. Asni Abidi, merci beaucoup d'être venu de Genève en Suisse sur le plateau de Maghreb Orient Express. Et Ymed Alibi, plein de bonnes choses pour votre CD qui sort donc ces prochains jours en France. À très vite à tous les quatre sur TV5 Monde. Et merci à vous d'être fidèles à MOE. À dimanche prochain. Thank you.